Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est aussi un nouveau format, un petit peu en mode vlog. Donc vous allez nous suivre toute la journée à partir du moment où on va rouler jusqu'à la fin de la journée avec pourquoi pas un petit débrief à la fin. Je suis en compagnie de Guigui qui est juste là. Le Guigui qui va faire sa première vraie sortie avec sa nouvelle moto, donc avec son 125. Et écoutez, il va nous dire un petit peu son petit ressenti, tout ça. On est en route pour aller faire de l'essence et là on perd pas de temps. La grosse, la petite, elle est encore plus petite et les moyennes, voilà. Elle toujours pas vendu la KT, faut que tu lui attaques. J'ai un copain qui l'a pris, qui a cassé la bavette, donc on va réparer tout ça. Changer les kits chaînes et puis ça partira en vente. Du coup, toujours aussi sympathique cette moto. Ce tricep. Autour de la mémère. Hop. Là, il n'y a pas le réservoir translucide et c'est un petit peu le désavantage. Il est aussi un petit peu plus petit. Mais bon, ça va quand même bien. Allez hop, ça c'est fait. Maintenant, on va préparer les affaires. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre la voiture pour aller rouler. Donc, on va prendre la remorque et on va aller sur une grande carrière. Histoire d'aller faire un petit peu de spécial, un petit peu de côte, un petit peu de tout. Et c'est pour ça qu'on va préparer les affaires. D'habitude, comme tout le monde, on s'habille chez nous quand on part en balade. Mais là, vu qu'on va plus loin, on a à peu près une heure de route, on va justement faire nos sacs. D'ailleurs, voilà, je pense que vous les connaissez, ces sacs. Les sacs 24 MX, c'est un petit peu tout en vrac. On a posé des affaires dessus, histoire de rien oublier. Et écoutez, c'est parti. On va préparer tout ça. Et... Tanguy, qu'est-ce qu'il y a? Ton sac est fait, ceux qui ont la petite référence. Voilà, donc on a là les bottes, là le casque, là tout ce qu'il faut, les protections, le pare-pierre ici, genouillère et tout, gants, maillot, pantalon. Et voilà, hein. on est paré. Allez Zou, on y va. Un petit soin, monsieur Anglaré. Ça y est, on est parti, on est sur la route. Donc une heure, ça va être assez long. Les motos sont juste là derrière. Et donc voilà la petite moto à Guigui. Et on va lui demander tout à l'heure comment il attend la journée et comment ça va se passer. Bon, plus qu'à décharger la YAM ici. On a déjà déchargé la husky juste là. Et écoutez, on va s'habiller et c'est parti. Ça. Hop. Bon, les petits passements de produits, enfin pas vraiment vu qu'on me l'a pas demandé, mais je kiffe vraiment dans la boisson 24 MX. Ça ressemble un petit peu à de la citronnade. C'est vraiment vraiment très très bon. Et ça désaltère bien avant d'aller rouler. Donc, allez, préparatif. Mais après, j'ai envoyé là, du coup, c'était un peu la galère pour envoyer. Bah, toi, tu fais mince, tu les mets comme ça. Non, mais là, c'est pas bien, j'ai envoyé comme ça. Tu fais comme ça. Mm-hmm.
Tu vas te faire mal. Ah, si je tombe. Parce que là, si je tombe dans les côtes, tu vois, je vais doucement. Alors que là, en place, si je tombe dans une droite et je vais vite, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour ça, pour le moment, vu que t'as vu ce mob, j'en ai pas fait. Faut pas mentir. Ah, et là, pour le moment, je descends parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et on va aller là-bas, là, dans et les c'est grosses. Là que je peux me faire mal dans les lignes droites comme ça et tout, du coup. On va aller vers dans les lignes droites. Mais là, il y a un autre terrain après. Et en haut, il y a plus personne, je crois. On va aller là-bas quand même. Mais ils sont là-bas les autres. C'est pas grave. Non, ils sont en haut. Bon alors, ton ressenti sur cette nouvelle moto? C'est pas mal, enfin. Il y a du couple quand même. Et j'ai bien la suspension quand même. Enfin, comparé à la 250 KTM, c'était tout mou là. Là c'est parfait pour moi. C'est bien réglé. Et par rapport à la 85? Il y a beaucoup plus de couple. Quoi tu préfères? Bah, il y a beaucoup plus de couple et même c'est plus à ma taille et
Après, ça m'a pas trouvé de changement au niveau du poste de pilotage. Enfin, c'est à peu près pareil. À part enfin que ce soit plus grand, sinon. J'ai rien à dire. Pas bimousse. Moi j'en ai, ça m'évite de mettre 300 euros. Tu vérifies quoi là? Les rayons, c'est qu'ils sont bien serrés. On va faire un tour? Qui? Toi. Non, je vais pas faire de moto. Tu fais d'elle et tu peux pas te faire d'elle. Non, non, je vais te c'est la moitié de la puissance que de celle-là. Je suis trop dangereuse, moi. T'es dangereuse, toi? Ouais. Je laisse, la dangereuse. Je laisse les jeunes faire. Faut qu'on enlève ça, Geoffrey. Ouais. Faut y découper, le soulever et mettre un coup de karcher. Allez, chef! Un jour, mais une pierre dans le tas, je peux plus aspirer. C'est dangereux la moto. Surtout que mon pare-pierre, l'ancien pare-pierre, il protégeait juste là, alors je l'ai pris là. Ouais. Et j'ai fait. C'est parti, round 1. Geoffrey, c'est tout là-bas, je sais pas où c'est qu'il faut passer. Enfin, extérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a des bandes, il y a les branchages. Je vais te montrer. Allez. Oh, y a tout le monde qui est parti. Tous les autres sont partis, je crois. C'est triste. On est là. On fait un peu de moto et après on ira faire des photos là-bas. Encore? Là-bas, c'est juste pour avoir une belle vue. Yeah.
pris des chaussettes, moi, en tout cas. Claquettes de chaussettes. Voilà, fin de journée. Donc une seule chose à dire, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Avec la caméraman, le Guigui. Et écoutez, on fera d'autres aventures comme ça. Dites-moi si vous aimez ce format, un petit peu en mode vlog. Vous nous voyez aller au terrain, vous nous voyez un petit peu discuter entre nous, tout ça. Donc j'attends vos retours, très très important. Moi ça me plairait de vous partager un petit peu ces petits moments là entre nous. Alors là il y avait que Guigui, 2-3 potes, mais il y a des fois où voilà, on rigole beaucoup plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ou même le petit sondage, je vais vous faire un petit sondage par-ci par-là. Voilà, sur ce, gros bisous, faites attention à vous. Ciao, bye et gaz. Ciao.